En fait, l'effet waouh, c'est une innovation qu'on a voulu un petit peu particulière, un petit peu en décalage. Alors, on parle souvent d'entreprises responsabilisantes, mais ce n'est pas toujours évident de savoir concrètement de quoi il est question. Et pour le coup, on a voulu rendre les choses assez concrètes sur la région Rhône-Alpes-Bourgogne. L'innovation, elle est très simple. Elle vise à confier à l'ensemble de nos conseillers un budget de 100 euros qu'ils peuvent déclencher sans avoir besoin de demander l'avis hiérarchique. Et grâce à ce budget de 100 euros, leur objectif, il est très simple, c'est de faire plaisir aux clients. Dans mon quotidien, cette innovation me permet de faire plaisir à mes clients pour la raison que je le souhaite. Par exemple, j'ai une cliente qui m'a contactée pour son chauffage au gaz naturel pour sa piscine. Et je me suis dit, le temps qu'on lui mette le gaz, ça va prendre un peu de temps. Ce serait peut-être sympa d'avoir une pensée pour elle. Il faisait chaud, c'était la canicule et je lui ai envoyé par surprise une piscine à boudin pour qu'elle puisse profiter avec ses enfants. Ah, bonjour Madame Boger, c'est très gentil de me rappeler. Alors, vous en avez pensé quoi? Justement, c'est pour ça que j'ai essayé de vous contacter, parce que j'ai été agréablement surprise de recevoir votre petite marque d'attention. Là, ça m'a bien fait plaisir, surtout avec les enfants, ça va être un petit cadeau fort sympathique. Le client m'a rappelé et a été très très surprise de ce geste, qui est quand même assez, assez particulier. Très peu d'entreprises pensent aux clients de cette manière. Ah bah écoutez, si ça vous a fait plaisir, c'était le but. Je suis très contente. C'est un effet de surprise et... Le client était très content, et moi aussi. Le dispositif, il est aujourd'hui déployé sur l'intégralité de la région Rhône-Alpes et Bourgogne, sur nos deux plateaux, Bourg-en-Bresse et Beaune. L'ensemble de nos conseillers peuvent à tout moment le déclencher dès lors qu'ils se trouvent face à une situation qui pourrait le nécessiter. Avec les 100 euros qu'on offrira à chaque collaborateur et qui pourra en disposer comme il veut vis-à-vis des clients, on fait un nouveau pas vers l'entreprise responsabilisante. Et là, je dis encore waouh. Voilà, j'espère qu'on vous aura convaincu que cette innovation, qui est finalement très simple, elle peut avoir un vrai impact positif sur nos modes de management et sur l'expérience client.